Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Passepoigne, on est parti pour un vidéo test de One Piece Unlimited Quiz One, le trésor sous les flots, qui a eu une suite très peu de temps après. Il est sorti je crois vers 2008-2009 par là, un truc par là, je crois c'est en 2009, et sorti la même année, sans doute 6 mois plus tard, un truc du genre, c'était Quiz 2. Qui est quand même qui ressemble pas mal à ce premier épisode. C'est vraiment du même style, c'est juste qu'on visite 4 autres îles. Là aussi on visite 4 îles. Et bien sûr une dernière île, mais il y a que le boss final, donc ça sera pas très intéressant à vous montrer. Donc comme vous pouvez le voir, bah voilà le magnifique 45 degrés de Brook. J'adore ce moment là. Ce moment épique avec Sanji qui tombe fou amoureux de Nami, mais on a l'habitude. Donc voilà, beaucoup de références à l'animé. C'est très bien repris. On voit Zoro qui s'entraîne sans relâche. Usopp qui s'endort. Et voilà, c'est... Voilà. C'est... une pure merveille pour les yeux, pour les fans. Voilà. C'est... Surtout graphiquement, vous pouvez voir quand même que c'est vraiment pas mal pour de la Wii. Et on va mettre, on va charger ma partie. Vous avez vu quand même que j'ai joué pas mal d'heures. Je crois que c'est 75 heures. Ça fait pas mal. Voilà, j'ai puis 60 heures en plus pour l'autre partie. Donc j'ai quand même joué vraiment beaucoup, beaucoup de temps à ce One Piece Unlimited Quiz. Un des jeux où je joue plus, voilà, sur Wii. Et c'est pas pour rien, c'est que je l'ai mis 5ème dans mon top 10. J'aurais pu même peut-être le mettre au-dessus de Mario Galaxy, mais bon. Mario Galaxy, c'est un grand classique, c'est toujours extraordinaire les Mario. Bon, le seul côté quand même désavantageux du jeu, c'est que y a beaucoup de temps de chargement. Enfin, les temps de chargement sont très très longs, et c'est à chaque fois qu'on part vers une île, il y a aussi un autre temps de chargement. Ouais. Et puis aussi que le jeu est un peu souffreteux, le framerate est très souffreteux. Vous allez voir là, voilà, pile quand il y a quelqu'un, pile quand voilà, vous voyez Luffy et Usopp. Et puis quand il y a des personnages à l'écran en plus, et voilà, ça commence un peu à ramer. Sauf que là c'est moins pire, des fois quand ils sont en train de courir autour, là c'est encore pire. Hein. Ils sont trois, il y a trois personnages. Attention là, la Wii elle en peut plus. Hein. Trois modélisations d'un coup qui bougent, mon dieu! Voilà. Sinon, vous pouvez voir quand même que le jeu franchement reprend très bien voilà l'animé. C'est que on est au bord du Thousand Sunny quand même, rien que ça. C'est vraiment la classe, il est très bien modélisé le bateau. Et on peut aussi aller ici pour changer d'île, bien sûr. Il y a 4 îles en tout, voilà, comme je vous ai dit au tout début. L'île forestière au tout début, une île assez sympathique qui est très jolie. L'île au canyon, voilà, très très jolie aussi, même si bon, c'est une île qui m'a moins plu. L'île glaciale. Très très belle île également. Ouais, si. Et puis l'île caverneuse. Ouais, bon, c'est la moins bonne île, je dirais. Puisque bon, c'est déjà peut-être la moins belle. Et voilà, c'est pas. Ils ont un peu raté le coche. Même si quand même on combat Ace dans cette île, donc je dirais. C'est pas non plus l'île la plus pourrie. Voilà, juste pour ça. Juste parce qu'on combat contre Ace. Et aussi contre Barbe Noire après. Donc voilà, quand même, il y a beaucoup de personnages repris de l'animé. Mais je vous montrerai ça. Moi, je vous montrerai plus le scénario. Voilà, la 5ème île, c'est juste le boss final. Je vous montrerai juste le scénario par une cutscene, bien sûr. En faisant une nouvelle partie, vous allez voir. Cutscene qui, franchement, on se croirait vraiment dans le manga. Bah, c'est pour ça, c'est parce que c'est Oda qui a fait le manga. Et c'est lui qui a également fait l'histoire de ce jeu, voilà, qui est One Piece Unlimited Quiz. Et bon allez, on va aller vers du classique, hein, l'île forestière. Alors, vous pouvez voir que Luffy a un autre costume, voilà, normalement il n'y a pas ce costume là de base. Là c'est le costume qu'il porte normalement quand il l'est à la fin, je crois, contre la marine. À Marineford. Pour sauver son frère Ace. Bien sûr, je vais pas vous spoiler.
que je pense qu'il y en a pas mal qui n'ont pas quand même vu ça et qui débutent dans One Piece, hein, je sais pas. Perso, pour moi, c'est pas incroyable que vous connaissiez pas One Piece, parce que bah moi j'ai connu ce manga il y a pas si longtemps que ça, enfin il y a 4 ans. Ce qui n'est pas si vieux que ça. C'est depuis qu'un ami qui m'a dit que ça passait sur la 17 et là j'ai regardé et mon dieu je suis déjà devenu fan. tout ce qui est shonen comme ça, bien baston, aventure en même temps, c'est mon style. Et donc vous avez sans doute vu dans les quelques jeux de Naruto que je vous ai fait et aussi un peu de Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3 bien sûr. Mais passons, bon bah vous voyez quand même, c'est quand même assez beau, c'est vraiment pas vide, hein. C'est pas pour de la Wii, franchement je le dis, encore une fois, ça en jette, hein, ça n'a rien à envier à Pirate Warrior, qui est la version PS3. Un jeu One Piece sur PS3, c'est un beat'em all cette fois-ci, alors que là c'est un jeu d'aventure, à la fois aventure mais aussi il y a beaucoup de crafting à faire, vous allez voir ça fait très RPG aussi, vu qu'il y a les PV et les PS comme vous pouvez le voir, et normalement notre barre de vie n'est pas aussi grande, hein, c'est moi qui l'ai fait agrandir, grâce au plat que peut nous mijoter notre cher cuistot Sanji. Alors on défonce nos ennemis. Bon, le problème dans ce jeu, c'est aussi la répétitivité des combats. Voilà, vous voyez, il n'y a pas énormément de coups. C'est un peu ça le problème. Là, je vais vous montrer tous les coups qu'il a, Zoro. Voilà. Bon, je l'ai défoncé. Et voilà, le dernier coup, c'est ça. Voilà. Et c'est tout. Bon, après, il y a les attaques ultimes, hein. Bien sûr. Il y en a pas mal, des attaques ultimes. On peut voir dans les instructions, peut-être. Je sais même plus dans quoi, non. Les instructions, c'est pour la cuisine et tout. Les changements en points, oui, ça faudrait que je vous en parle. Ça, c'est pour Gabri, un petit aide qui va nous accompagner, qui va nous aider dans notre quête. Et bah, il peut gober les objets qu'on a récupérés par terre. Oui, voilà, il y a beaucoup de crafting parce qu'il y a beaucoup d'objets voilà, qu'on peut utiliser pour construire des choses. Surtout pour inventer, pour faire des inventions, par exemple, comme ceci. Ceci qui. Je vais vous montrer ça. Ça sert à comment dire, c'est une zone de téléportation, voilà, c'est ça en gros. On peut changer les personnages à n'importe quel moment, ça c'est la grande force de ce One Piece Unlimited Quiz. Voilà, on peut pas s'ennuyer dans le mode aventure, franchement c'est. Mais le mode aventure c'est. Bon, faut quand même être très patient quand même, parce qu'au tout début, on n'a pas tous les coups. On peut pas faire la jambe maléfique, la diable jambe, je sais plus comment il dit exactement. On peut pas faire ça dès le départ. Hein. Voilà, bon là ça utilise beaucoup de PS, je vais même ne plus beaucoup en avoir là. De base on n'a pas beaucoup de PS. Hein. Bah, déjà je suis presque épuisé. Ouais, j'ai presque plus de PS. Et le problème c'est que quand on utilisait les attaques ultimes comme je viens de le faire là. Une grosse attaque là où vous avez vu que Sanji a transformé sa jambe en flamme. Et bien ça utilise des PS mais aussi ça ne restaure pas nos PS par la suite. On peut pas restaurer nos PS par la suite. Les PS qu'on a utilisés sont perdus pour toujours sauf si on les récupère en faisant quelques combos comme là ils me disent d'agiter la Wiimote. Bon là je l'ai déjà tué, bon là on est contre des ennemis un peu pourris. Faudra aller un peu plus loin pour que je vous montre à peu près comment faire pour avoir des PS. Des PS en plus ou aussi des PV en même temps, hein, comme ça. Voilà on fait la petite côtelette, voilà, l'attaque côtelette qui a tellement la classe. Et voilà, là on a récupéré quelques petites boules bleues, voilà. Et en même temps un bout de ferraille. Bout de ferraille, je pense que c'est les boucliers qu'ils ont qu'ont la marine, même si eux ils ont pas de bouclier. On va rencontrer. Bien sûr les ennemis sont franchement très proches de l'animé, hein, c'est que des ennemis repris de l'animé à part quelques ennemis
qui viennent que du jeu, mais bon, qui sont pas tip top. Ah, là, c'est un truc que Franky peut réparer. Et là, comme vous pouvez le voir, enfin, peut exploser. Bon, là, ça me dit pas assez de PG. Ça veut dire qu'il faut que... Voilà, là, c'est un parfait exemple pour vous montrer. Changer en points. Et on peut changer en points nos objets. Ah. Le problème, c'est que... Maintenant, je peux pas le faire parce qu'il faut avoir des PG dorés, comme vous pouvez le voir en bas. 0 sur 3. Et que là, bah, tous mes objets ne peuvent pas lui conférer des PG dorés à Gabri. Ce qui est dommage. Parce que Gabri, en fait, il balance une espèce, je sais pas, de boule d'énergie. Et ça permet d'exploser quelques trucs. Sauf que là, je sais pas à quoi il sert, Gabri, parce qu'en fait, c'est que Franky qui va préparer quelque chose. Je crois que c'est un canon. Voilà, vu que là vous voyez, il faut avoir 40 bombes et une taupe. J'ai ce qu'il faut, et le problème c'est que j'ai pas de PG par contre. Donc voilà, il y a beaucoup de choses comme ça, on est beaucoup bloqué dans le jeu parce que par ces choses là. Bien sûr, on a la carte, quand même, vous pouvez voir, qui est très très grande, hein, je vous le dis direct. L'île est assez grande, mais il y en a 4 en tout. Même si. La dernière île est pas très grande, elle est surtout labyrinthique, elle est pas très intéressante. Ouais. Je dis direct mon avis sur la dernière île. On peut aussi utiliser la pioche pour détruire ça en faisant balancer, ça marche même pas si c'est bon. Pourtant j'ai la Wii Motion Plus, comment ça se fait? Ah purée, ça marche une fois sur deux. Et voilà, je récupère des champignons, même si ça me dit trop d'objets parce que j'ai plus de place hein, dans mon... J'ai trop de poissons en fait, j'ai trop de macros brillants, j'avais sans doute pêché il y a un petit moment. Et aussi avec Brooke, on peut courir sur l'eau, voilà. Grosse référence à l'anime encore une fois. Parce que Brooke, il a tellement les chocottes, et même il a peur en se regardant dans le miroir. Parce que lui il a mangé un fruit du démon. Le fruit du démon, je crois que c'est la seconde vie ou un truc du genre. Et donc, quand il était mort, il y a eu son âme qui est apparue. Et puis, il pouvait circuler son âme comme bon lui semble. Et donc, le problème, c'est que son âme venait tout juste de retomber sur l'océan, je crois, un truc du genre. Enfin. Que son âme venait de monter vers les cieux et puis après redescendre, vu qu'il a mangé le fruit du démon, il pouvait quand même revivre une deuxième fois. En remettant son âme en gros dans son corps. Et le problème c'est que son corps, ça faisait un petit moment qu'il était sur un rafio. Et donc il était en état de squelette quoi. Voilà. Donc il s'est retrouvé comme ça. C'est un beau gosse. Non, et Brooke fait partie de mon personnage préféré. C'est mon personnage préféré avec Zoro et Flanky. Ah, si. Franchement. Ils ont la classe, ces persos. Pas la même classe, mais. Zoro se paume tout le temps. Mais à côté de ça, il a la classe. Lui, Brooke, c'est un majordome. Mais il aime bien les petites culottes. Et Franky, il a un côté classe avec ses lunettes de soleil. Et son côté cyborg. Son côté combatif cyborg. Mais à côté de ça, en slip bar, c'est pas trop la classe. Voilà, beaucoup d'humour dans ce manga de toute façon. Et c'est ça que j'adore aussi dans les shonen. C'est qu'il y a beaucoup d'humour. Oui, parce que l'humour de Dragon Ball Z, on va dire, ça casse pas trois pattes à un canard. Dragon Ball, ça allait, mais Dragon Ball Z, c'est un peu vieillissant. Ah, et là, on va taper ça. Et on a récupéré, on sait pas ce qu'on a récupéré, mais sans doute quelque chose d'assez rare. Mais voilà, on doit quand même avoir les boules quand on a trop d'objets. On se dit, oh mon dieu, un bambou, il m'en fallait. Ah mais non, j'ai trop d'objets. Alors, magnifique danse de notre cher Brooke. Bon, ça fait un petit moment que je n'ai plus joué au jeu, donc là je tourne un peu
en rond. Ça doit faire une petite année. Si, j'ai joué il n'y a pas très longtemps pour faire le montage du magnifique cascade. Le montage pour le top 10. Voilà, faut aller là-bas, là, sur les plantes que vous voyez. Mais je veux vraiment vous montrer toute cette île parce qu'elle est vraiment pas mal. Purée, mais faut aller où? Je suis déjà paumé. C'est un Metroidvania, attention. Ouais. Je suis déjà paumé en fait. On peut faire de la danse hein, avec Brooke. C'est toujours sympatoche. Bon allez, on va redescendre. On peut capturer aussi quelques insectes. Purée, j'ai pas réussi. Avec le filet à papillon. Et on a carrément un aspirateur. On a l'Estoblast 3000 hein, devant nous. Et oui, on se reconvertit en femme de ménage ou en Luigi, hein, bien sûr. Je crois que c'est la petite référence à Luigi's Mansion. Hein. Un jeu culte de la GameCube. Bon, allez, on va courir, on va revenir au bateau. Et je vais vous montrer quelque chose de bien pratique. Qu'on débloque quand même assez tardivement dans le jeu. Je sais plus quand on le débloque dans ce quiz 1. Dans le 2, on le débloque. On débloque beaucoup plus tôt. Donc alors, qu'est-ce que c'est? Ça, j'ai un peu la flemme de vous montrer les déguisements. Et bon, allez. Tant qu'on est là, on va montrer un peu le bateau. En plus, on voit magnifique les JPEG en 2D de l'île. C'est magnifique. Allez, on va rentrer ici, par exemple, c'est les cuisines. Je vais vous faire visiter les cuisines. Hein. On va prendre... C'est qui prend en cachette de la bouffe? Ben, bien sûr, le fée. Ce qui me plaît en plus dans One Piece, c'est que vraiment tous les personnages de l'équipage du chapeau de paille, bref, ils sont tous charismatiques. Quoi. Mais il y en a que je préfère, bien sûr. Les trois que je vous ai cités avant. Et donc, je vais vous montrer un peu la confection, comment ça se passe au niveau du crafting. Donc au début, par exemple, on crée une canne à pêche, pour pêcher, bien sûr. Et à quoi ça va servir? À pêcher des poissons, et pour pouvoir faire des nouveaux mets, des nouveaux plats. Et à quoi servent les plats? Attention, je vous le donne en 1000. Bien sûr, à upgrader la puissance de nos persos, voilà. En upgradant leur PV et PS. PS qui sont les points d'endurance que je vous ai montré quand on utilise. Elles permettent d'utiliser les attaques ultimes ou aussi juste de courir. Le problème, quand on utilise une attaque ultime, voilà, ça, on perd quelques PS et donc on peut pas trop courir longtemps après, par la suite, par exemple. Ou même plus du tout courir, hein, si jamais c'est une. Enlève tout nos PS. Donc voilà, on peut augmenter quelques PS. Souvent Zoro, c'est celui qui augmente le plus de PV. C'est lui très endurant. Avec Franky aussi qui est très endurant. On va prendre pour aller Zoro. Parce que c'est un beau gosse. Il l'a bien mérité. Il dira le contraire, hein, Sanji bien sûr. Hein, ça sera pas... Je pense pas que c'est lui qui lui ait donné le plat là. Je ne pense pas. Par contre, quand c'est Robin d'amour et Nami chérie, là, ça change tout. Hein. Nami chérie, Robin d'amour. Attendez-moi. Je vous ai confectionné un magnifique plat. Et bien sûr, on a la chimie pour les gélules. Ce qui permet, entre autres, de soigner en combat. Ou aussi de récupérer des PS en combat aussi. Ce qui est fort pratique. C'est en gros des potions tout simplement. Et on peut les upgrader, en avoir une plus évoluée. Là, bien sûr, en faisant l'ancienne. En faisant l'ancienne version. Et il y a aussi ça, c'est par exemple quand on attaque un ennemi, ça peut. Ça fait des explosions. Mais en même temps, ça nous permet aussi de créer des bombes aussi.
Voilà, donc beaucoup de crafting, hein, comme vous pouvez voir. Je vais pas tout vous expliquer. Là, par exemple, le Nunchaku, ça sert à... C'est une attaque ultime pour Franky. Et oui, on peut débloquer en faisant des inventions comme ça. Le Nunchaku, par exemple, c'est une attaque ultime de Franky. Et là, c'est, je l'ai pas eu. C'est en fait le masque de Usopp. Ah, le masque de Sniper King. Et quand ils sont allés juste avant, enfin, il a mis ce masque quand ils sont allés à Agnès Lobby. Agnès Lobby, pour moi, l'un des meilleurs moments du manga, tout simplement. Alors, sinon, lever l'encre, voilà, pour changer d'île en île, comme je vous ai montré au début. Puis après, il n'y a plus grand chose, il y a les réserves pour stocker tout ce qu'on a dans notre sac. On peut upgrader notre sac aussi, bien sûr, moi. Mon sac, il est upgradé au max. On va mettre les poissons parce que ça sert à rien. Voilà. On peut stocker les trucs et on peut prendre aussi. Sachant que on peut pas stocker tout et n'importe quoi parce que même notre réserve peut être remplie quand même assez rapidement. Donc faut faire quand même assez gaffe, faut quand même beaucoup utiliser nos objets. Hein. Par exemple pour la cuisine, pour la chimie ou pour l'invention. Bien sûr pour autre chose, pour nourrir Gabri, voilà, pour qu'il puisse nous débloquer. De certains chemins bloqués, de certains accès bloqués. Donc voilà, que dire de plus, on va faire un peu de pêche, hein, je sais pas. C'est un jeu à avoir, franchement, sur Wii. Une grosse exclue, voilà. C'est un gros coup de cœur de vous faire ce vidéo test sur un jeu comme ça. Ah. Là, on voit que ça tremble, donc il faut vite le prendre. Oh purée, je crois que j'ai eu de la chance, je suis tombé sur un gros. Oh putain, non! C'est pas possible, je suis tombé sur un poisson royal, là. Je le sens. Un poisson royal. Je sais plus comment ça se dit exactement. C'est un truc tout con. Purée. Ah non, bon là, c'est un poisson tout pourri, je le sens. C'est un poisson tout pourri parce qu'en fait, il nous fait pas perdre beaucoup de barres. Il faut relâcher pour en récupérer de la barre. D'endurance pour la canne à pêche. Je sais pas comment ça se dit, mais voilà. Je le dis comme ça, moi. Waouh! Mais il est énorme! Ah, je vous ai montré dans mon montage du top 10, des jeux Wii U. Oui, ce que je raconte. Que j'ai capturé à un moment un gros poisson, si, hein, un poisson royal. Non, c'est ouf, je m'en souviens même plus. Par contre, faut que je fasse gaffe là, parce que là c'est un gros, là c'est un gros. C'est un légendaire, putain. C'est pas possible. Ça se trouve, je l'ai jamais eu celui-là. Là, je me concentre. On est à fond dedans. Vous voyez, c'est le stress est à son paroxysme. On est à fond là. Ah purée, non, je sens que c'est. Oh non, c'est un poisson de merde. C'est un poisson de merde. On le sent direct quand c'est un poisson de merde ou pas. C'est à partir de 50 mètres, je crois qu'il y a des gros poissons. Mais avant 25 mètres, j'ai eu vraiment de la chance. Mais de la malchance pour pas l'avoir. Oh non, là c'est encore un petit, purée. Il y a que des petits. Dans One Piece Unlimited Cruise 2, il y a beaucoup plus de gros poissons. On a beaucoup plus de chances de tomber sur des gros poissons. Et c'est peut-être parce que je suis à côté de l'île forestière. Oula, il est balèze lui. Bon, ça remonte pas. Voilà, j'attends que ça remonte. Vite! Vite! Voilà, ça remonte. Vite! C'est le stress. Oui, c'est un gros poisson. Oh purée, vous avez pas de bol, c'est exactement le même que dans le montage. C'est manque de bol. Parce qu'il y a un deuxième aussi. Voilà, un roi des mers. Purée, je me souvenais même plus. C'est un roi des mers, voilà. C'est un poisson royal. bien sûr, c'est la version française. Hein. Un poisson royal, non, je regarde. Non, pour une fois, ils ont bien traduit. Hein, je trouve. Dans DBZ, la traduction en FR, c'est sûr, c'est de la merde. Mais dans One Piece,
bah, ils ont respecté les noms originaux, voilà. Donc on peut voir aussi les poissons qu'on a capturés. Enfin, on peut les mettre dans l'aquarium, on peut les revoir, voilà, vous voyez. C'est quand même bien foutu, hein. Il y a quand même pas mal de choses. Sinon, est-ce que je peux vous montrer un boss? Bah non, puisque je les ai tous battus en fait. C'est ça qui est un peu con. Je peux vous montrer le boss final si vous voulez. C'est toujours ça de pris. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Je crois qu'on peut voir les bases de données. C'est peut-être là. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est pour revoir les monstres. Voilà. 72 cm. Pour voir la taille des monstres, quoi. La taille des bestioles. Et les voir en 3D, voilà. Avec une petite description. Les monstres aquatiques. Enfin, voilà. Et deux points d'interrogation. Donc voilà, il me reste quand même des choses, mais bon. On peut se dire quand même, voilà, au bout de 70 heures, c'est le grand maximum. J'ai vraiment déjà beaucoup, beaucoup joué. Normalement, on finit, je crois, à peu près en 40 heures. Je dirais en 40 heures. Après, il y a bien sûr, on débloque un mode difficile, et après un mode très difficile, je crois. Donc ce qui est fort intéressant. La replay value est très bonne. Puisqu'en plus de ça, on peut garder nos anciens coups. Parce qu'au tout début, on les évolue très 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 tardivement. Enfin, on a beaucoup de mal à évoluer nos personnages. Et donc là, je vais vous montrer. On va aller plus loin. Vous allez voir. Ah, magnifique animation. Les animations sont très fidèles et très très bien animées. Voilà, le Thousand Sunny dans toute sa splendeur en 2D. Et voilà, l'île forestière. C'est là qu'on rencontre Ener au-dessus. On se demande pourquoi. On se demande qu'est-ce qu'il fout sur une île forestière. Mais bon, c'est pas grave. Le reste, c'est parce qu'en fait, c'est des espèces de graines qui sont implantées comme ça et qui font naître des anciens combattants des anciens adversaires de Luffy, voilà, et de ses compagnons. Donc on va retrouver Kuma, Ener, comment il s'appelle le binoclard là déjà, le capitaine Crow. Enfin, vous voyez les gens, voilà, il y a quand même Don Krieg. Enfin voilà. Vous voyez quand même qu'on peut voir le Thousand Sunny d'ici, attention. C'est pas rien, on est sur Wii quand même. Ah oui, parfait, je vais pouvoir vous montrer comment partir d'ici, voilà. En utilisant le grand élastique, et vous allez le reconnaître, voilà, l'objet que je voulais vous montrer avant. Ici, voilà. Qui ressemble fortement à la ceinture d'Obélix. Je sais pas si ça vous fait penser à ça, mais voilà. Alors sinon je vais vous montrer un boss vite fait. Je suis obligé de vous montrer le boss final. Y a pas le choix. Ah non, j'ai encore mieux à vous montrer. J'ai encore mieux à vous montrer. On va lever l'ancre. C'est un... C'est quelque chose qu'on débloque quand on finit le jeu, je crois, pour la première fois. On débloque ça, normalement, mais c'est une mission très très difficile. C'est un mode survie, voilà. Qu'on débloque aussi par la suite... Dans le mode duel, ce n'est pas le mode d'aventure, bien sûr. Voilà, on peut aussi discuter un peu, quelques discussions un peu assez sympas. Zoro, pourquoi tu es toujours le seul à perdre? Je t'ai pourtant donné une carte. Hein? J'ai pas besoin de carte. En général, je me sers d'un nuage pour me repérer. Un nuage, les nuages bougent et changent de forme. Pas étonnant que tu te perdes constamment. Ah ah, quelle ardouille! T'as vraiment aucun sens de l'orientation, Zoro! Tu vois pas mieux que lui! Enfin, tu vois pas beaucoup mieux. Et ça voulait dire la même chose. Bon, voilà, quelques petits dialogues comme ça, assez sympatoches. Franchement, bien repris. J'ai animé encore une fois. C'est vraiment le même humour. C'est vraiment le même humour. On voit la patte d'Oda. Hein. Il est vraiment passé par là.
Donc voilà, on va jouer au mode série de boss. On peut jouer en normal, vu qu'on est bah, dans le mode normal en fait. On est en difficulté normale, donc ça va pas être si dur que ça. Et oui, le gros problème dans ce One Piece, ouais, c'est au tout début. Voilà, je vous dis encore une fois, on a, je vous le jure, on a que deux attaques avec Luffy. On a ça et ça, voilà, et puis c'est tout. Et avec Chopper, par exemple, c'est encore pire, on a qu'une attaque. Mais voilà, c'est un peu du foutage de gueule le début. Et c'est, je crois, c'est où qu'on a, voilà, ces statues, voilà, c'est dans les statues, on clique dessus. Et voilà, on a nos différents coups. Gear Secondo. Voilà. Gear Secondo, il y a Gear Third. Il le fait que quand... Ah non, on peut le mettre aussi, je crois, non. Ah non. Non, c'est dans Unlimited Quiz 2, on va avoir plus de techniques. Ouais, on a deux fois plus de techniques dans Quiz 2, avec les persos principaux. Par contre, c'est pareil pour... je vais vous le dire tout de suite. La plupart des personnages repris de l'anime, à part les Mugiwara, ils ont pas beaucoup de techniques. Les autres ont pas beaucoup de techniques. Maximum 5. 5 attaques différentes. Avec peut-être une petite attaque ultime. Voilà. Je vous jure, c'est ça. Donc on peut se dire... ouais. C'est répétitif. C'est ça. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de combos différents. Encore quand on combat en boss. Je dis rien, là on est contre... on est contre Spandam. Je dirais que... Oui, bah comme ça... ça peut aller, je trouve, en boss comme ça. Voilà, il fait sa petite attaque ultime. Il n'est pas trop ridicule. Il me fait défoncer. Voilà, on peut le loquer à la... Même système que pour les Zelda. Bon, d'accord, il court vers le mur. Hein. IA inexistante. Non, je crois qu'il a été blessé par mon propos. Voilà, il comprend rien à sa life. On peut les récupérer assez rapidement comme ça quand ils sont par terre. Mais des fois ils sentent rien. La plupart du temps ils sentent rien quand ils sont par terre. Comme nous d'ailleurs. Et quand on vient tout juste d'esquiver un coup, on peut aussi clignoter en bleu. Ce qui signifie qu'on ne peut pas être immunisé par les... qu'on est immunisé par les attaques. Voilà. On perd un peu de vie par contre si on se fait toucher. Mais on ne titube pas. C'est ça le truc. Bon, attention, c'était son marteau à 5 tonnes, qui est en vérité 5 kilos, ce qui est assez ridicule. Voilà, tout l'humour, bien sûr, est omniprésente. Cet humour, j'ai tellement surkiffé. Mais pour moi, un shonen, ça veut pas être tout le temps sérieux, comme Naruto Shippuden, quoi. Naruto Shippuden, je trouve, ça se prend trop au sérieux. Naruto tout court, je trouve que ça va. Il y a des côtés humour, certes c'est des fois triste, mais voilà, il y a tout. Par contre Shippuden, c'est toujours trop sérieux ça. Ah non, au bout d'un moment ça saoule un peu quoi. Faut toujours une petite faut toujours qu'il y ait une petite part d'humour, moi je dirais. Ce qu'on retrouve à chaque fois dans One Piece. On fait défoncer. Bon là bien sûr je joue n'importe comment, normalement on esquive tous les coups. C'est l'attaque tempo de Nami qu'elle a utilisée pour la première fois, je crois, c'était à Agnes Lobby. Il comprend rien sa vie là. Il comprend rien sa vie, Crow. Captain Crow. L'un des persos les plus rapides du jeu. Il va vous le montrer. Avec son attaque ultime complètement cheatée. Oui. On peut le défoncer avec l'attaque H de Luffy, si bien reprise. Quand il l'utilise contre Don Krieg, voilà, qu'on voit ici présent, il va le refaire pour se moquer de lui. Ouais, il détruit carrément une bonne partie du bateau du baratier. Purée. Bon, on va faire les Gear Second pour de la magie. Pour plus de spectacle ou alors une petite attaque ultime avant. Un Gatling. Qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit quoi, rafale en japonais? Ça ressemble à Gatling.
C'est un peu Gatling. Le loup. Repris de Star Fox. Gargarina. Bon, je sais pas trop ce qu'il dit en vrai. Et là en fait on en profite souvent quand on contre des ennemis de merde comme ça pour faire des attaques. Bah, vous le voyez, des combos quoi. Des combos qui sont en fait qui apparaissent à droite. Pour récupérer un peu de vie et DPS. Surtout DPS parce que DPS on les récupère assez rapidement. On peut faire une chop aussi, je vous ai pas montré cette technique. Voilà une petite chop. Voilà quoi. En gros, c'est à peu près tout ce qu'on a comme technique. On a vraiment pas beaucoup de techniques. Et on fait vraiment beaucoup d'efforts dans la version Wii U Unlimited World Web. Et déjà aussi dans la version. Bah, enfin, dans Quiz 2 au final. Parce qu'on a deux fois plus d'attaques. Donc Quiz 2. Attention à Wapole. Ou Wapole. C'est un peu moins beau. Wapole. Je sais plus comment ça se dit exactement. Personnage assez comique et assez pourri. Qui a mangé le fruit du glouton. Voilà. Donc il mange. Simplement. Et voilà, là il a des. Luffy a des nouvelles attaques carrément, des nouvelles techniques en Gear Second. Et attention, attention. Et il est un peu plus rapide comme vous pouvez le voir. Voilà, le Gatling puissance 1000. Et on peut faire une grosse attaque, une grosse attaque. On peut se téléporter, mais je vais pas trop le faire parce que ça me fait perdre DPS. Et à la place, on va faire ça. Gear Third. Bien sûr, on a le droit aussi aux voix japonaises, aux magnifiques voix japonaises. Heureusement, parce que les voix anglaises, mon dieu. Ah, il est toujours pas mort. Et là, il vient de faire une technique qui le soigne. Et pendant ce temps-là, voilà, c'est tellement bien repris de l'animé que bah, Luffy se retrouve petit. Voilà. Bien sûr, il maîtrise son attaque bien mieux par la suite. Gear Third, 2 ans après, car il devient plus petit. Voilà. Et c'est bien plus puissant. Car. Il y a le fluide du. Il y a le fluide royal qui lui permet de. Purée, qu'est-ce qu'il me fait là? Allez, là c'est quand il dit. C'est quand il dit. Qu'est-ce qu'il dit exactement là? Je fais 3 pas de plus et. Et toc. Et l'autre il est découpé en rondelles. Il dit pas ça en vrai exactement, mais c'est pas grave. On va prendre Zoro. Qui a une très grande barre de vie. Oh là là, Arlong. Un moment assez cruel, hein. Un personnage très très cruel. Qui a fait souffrir notre navigatrice. Hein. Notre cartographe. Attention. Arlong il est pas content. Il s'est déjà fait défoncer par Luffy quand même. Donc voilà. Faire défoncer par le sabreur aussi, ça serait une honte pour lui. Voilà, Moulin Infernal dans sa version française. On va aussi faire la technique du comment elle s'appelle celle-là par contre. Quand Zoro se dématérialise en plusieurs exemplaires, si je puis dire. Je vais vous montrer. Il y a vraiment toutes les techniques qui ont été reprises. C'est un truc de fou. Enfin, c'est pas toutes les techniques, les grosses techniques comme ça, bien sûr. Sinon, bien sûr, il n'y a pas énormément de techniques différentes. Sinon, parce qu'elle fait mal, Robin, elle est assez puissante. Hein. Avec ses attaques. Ses attaques à distance. Voilà, elle est morte. Par contre, ça fait ramer la Wii à chaque fois que je tue un ennemi, quand même. En même temps, c'est des boss à chaque fois qu'on combat. Même s'ils ont pas de barre de vie. Hein. Ils restent toujours plus costauds qu'un simple ennemi. Donc, quoique, peut-être pas aussi costaud que les faux Kuma, là.
les armes du CP9, ça vient pas totalement du CP9 plutôt. Mais c'est des armes utilisées par la marine. Il y en avait beaucoup. Ah, je crois que c'est des PX, je crois, un truc du genre. Mais je ne sais plus, et ça a été fait à partir du corps de Kuma. C'est des faux Kuma en fait. Et ce sont des armes extrêmement puissantes. Mais qui sont d'ailleurs même plus puissantes que nos chers Mugiwara, voilà. En tout cas, les Mugiwara sont obligés de les tuer à 2 ou à 3 pour en venir à bout. Et avec les meilleurs, hein, Zoro, Sanji et Luffy, attention. Et qu'est-ce qu'il nous fait, Baggy le Clown? Il nous fait du n'importe nawak là, comme d'habitude. Baggy le Clown, ça fait vraiment plaisir de voir que Oda n'a pas oublié ce perso quand même. Parce que pendant un moment on le voit plus, et pourtant moi j'aime bien ce perso, et puis après on le revoit quand Luffy va essayer de sauver Ace. Alors on les défonce, les zombies, bien sûr, du moment où ils combattent Moria. Comment ça s'appelle cette île déjà? Je ne sais plus. C'est grave. Enfin, c'est l'île des zombies, quoi. Pourtant, je m'en souvenais avant, mais j'arrive plus à m'en souvenir. Enfin, voilà, vous voyez. Je n'arrive pas à trouver le dernier ennemi. Voilà. Donc, voilà, que dire. C'est One Piece Unlimited. Quiz 1 est vraiment un très bon jeu. Je vais aller vous faire quelques attaques avec. Purée, si j'arrive à changer de perso, parce que là c'est n'importe quoi, c'est des écureuils. Enfin, je vais prendre Brook avec son attaque ultime. Le violoncelle. Ah mais non, il le fait pas. Alors c'est la deuxième. Ah non, là c'est une attaque par équipe. Ah bah tant mieux, je peux vous montrer les attaques par équipe. Encore des attaques très bien reprises de l'animé. Ils font exactement ça quand ils sont contre Oz. Oz qui est la réincarnation du mal. Non, Oz qui est un gros zombie qui a été créé à partir de l'ombre de Luffy. Donc attention, il est très puissant. Et là vous pouvez voir déjà qu'il y a marqué un onglet info qui met que j'ai évolué mon attaque qui est au niveau 8 et qui est passé niveau 9. Donc elle est un peu plus puissante, voilà, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on augmente notre puissance, ouais. Mais surtout qu'avant, d'évoluer des niveaux à chaque fois, de niveau en niveau, ça servait pas qu'à ça, d'augmenter un peu la puissance. Ça servait tout simplement à débloquer de nouvelles compétences, ouais, de nouvelles attaques. Dans statut, voilà. Est-ce qu'il y a un perso où j'ai pas toutes ces attaques? Je crois que Robin. Ah non, j'ai vraiment joué longtemps pour avoir toutes les techniques quand même. Attendez, même Nami quand même. Ça m'étonne. Ah ben, même Nami elle a toutes ses techniques, quoi. C'est assez incroyable. Donc vous pouvez voir à peu près toutes les techniques, il n'y en a pas non plus énormément. Là c'est quelques attaques par équipe. Voilà, et là quand on appuie sur C, voilà, coup spécial, je peux débloquer un nouveau coup spécial. En étant au niveau 7 avec le coup avec la Wii Motion plus la Wiimote en balançant sur le côté, en secouant. Et donc Oko Osho Fleur. Voilà. Nous en chauffleur et C plus A, donc en courant et A. Voilà. Il faut que ça soit au niveau 5 ceci. Il faut que ceci soit au niveau 5. Comme ça on augmente, comme ça on déverrouille le coup spécial de Robin.
Mais à la place, pendant ce temps-là, moi j'avais mis épée d'os fulgurante. Sachant que dans One Piece Unlimited Crease 2, eh bien, les techniques se développent beaucoup, mais largement beaucoup plus rapidement que One Piece Unlimited Crease 1. Ça se voit tout de suite. Ce qui est bien. Ils ont fait beaucoup. En fait, pour moi, c'est un espèce de DLC géant, One Piece Unlimited Crease 2. C'est une extension pour moi de Crease 1, mais en mieux avec beaucoup d'évolutions qu'ils auraient dû faire dans le 1 dès le départ. Voilà. C'est ça en gros pour moi. C'est pour ça que je l'ai mis 5ème. J'ai mis 5ème sur 10 en même temps avec Unlimited Crease 1. Bon, j'ai mis les deux ensemble. Parce que franchement, les deux, bah, c'est comme Mario Galaxy 1 et 2. Voilà, c'est des extensions. Les deux, c'est une extension du 1 pour moi. C'est pas forcément décevant. Mais c'est qu'il change pas beaucoup du premier, ouais. C'est ça le truc. Bien sûr, les environnements sont bien différents, mais à côté de ça, la jouabilité reste exactement la même en fait. C'est exactement ce jeu là quoi. Qu'on a dans le 2. Surtout qu'il le cache pas, parce qu'en plus de ça, après on peut sauvegarder nos techniques de ce One Piece Unlimited Crease 1 et les transférer dans Unlimited Crease 2. Donc les personnages auront. Les mêmes PV, PS, tout ce qu'on a fait dans Unlimited Crease 1 est sauvegardé et a été transféré dans Unlimited Crease 2, ce qui est très bien quand même. Sinon, je voulais aussi vous parler de Unlimited Crease SP, que moi j'avais acheté, c'était juste pour avoir le mode Marineford, parce que moi je suis un vieux fan de ces épisodes, hein, de Marineford, qui étaient pour moi quand même des grands moments dans ce manga. Comme NES Lobby, j'avais complètement surkiffé aussi. Et donc bah, je suis pas non plus déçu. C'est très bien repris, je trouve, de Marineford quand même. Le mode Marineford là sur Unlimited Crease SP sur 3DS. Mais petite déception. Enfin pas forcément déception. Vu que moi j'ai déjà Unlimited Crease 1 et 2 que j'avais déjà fait sur Wii. Mais voilà, de base, normalement, on avait Unlimited Crease 1 et 2 sur Crease SP sur 3DS, mais on n'a pas eu les deux, voilà. Parce que, bien sûr, Namco, ils n'avaient pas réussi, ou Bandai, je sais même plus. Enfin voilà, je crois que c'est Namco, ou Bandai. J'en sais rien, je vais prendre la boîte. C'est très freestyle. Alors. Ah non, c'est Bandai. C'est Bandai, c'est des enfoirés quand même. J'allais dire que Namco, c'est des enfoirés quand même. Namco, c'est ceux qu'on fait sur le Calibur 2, donc on va pas trop dire ça. Hein. C'est pas trop des enfoirés. Ils ont fait des très bons jeux. Comme Bandai d'ailleurs aussi. Pour les Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 3, par exemple. Hein, les Tenkaichi et Budokai. Après, ça c'est un peu estompé, on va dire. Même complètement. Comment on quitte déjà, je ne sais plus, mais bon, c'est pas grave, on va faire réinitialiser. Et j'espère au moins que le game capture ne va pas planter le boîtier d'acquisition. Mais je pense pas, c'est tellement de la qualité, ce boîtier d'acquisition, il est tellement fou, quoi. Ah, j'ai pas acheté un Dazzle de merde. Voilà, Namco Bandai. Ben, c'est les deux en fait. C'est complètement con. Non, mais c'est Bandai. Voilà. Donc voilà. En faisant C, on recommence une nouvelle partie avec soit difficulté supérieure ou inférieure. Enfin, on laisse ça normal. Le mode duel, je vais vous montrer vite fait. Dispute, un combat. En équipe avec plusieurs personnages, utilise tes points pour créer l'équipe ultime ou survie, affronte la marine et d'autres pirates comme on a fait avant, sauf que là on a le droit à tous les personnages au boss qu'on a combattu, quoi, tout simplement. On peut faire VS l'IA, l'intelligence artificielle, donc l'ordinateur, ou contre le joueur 2, voilà. Je joue à 2. Nous, donc vous voyez, on peut avoir force de IA, autant mettre forte. Même si franchement ça change pas grand chose, vu que vous mettez par exemple une IA qui contrôle, je sais pas moi,
Tiens, Spandam, Niag qui contrôle Spandam, ou une IA qui contrôle, je sais pas moi, Chopper en transformé là, Chopper ultime, Chopper enragé. Il est tellement enragé quoi que vous voyez, il y a presque de la bave qui coule. Donc alors Chopper enragé qui a la rage et qui a que deux attaques différentes je crois. Non, trois en comptant l'attaque spéciale bien sûr. Trois attaques différentes, ce qui est très faible. Comme vous pouvez le voir quand même, il y a beaucoup de personnages différents, je crois qu'il y, il y en a 30. Il y en a à peu près 30. Dans le deuxième épisode, il y en a 10 de plus, donc 40. Ce qui est vraiment un très très bon chiffre, voilà. On a vraiment beaucoup de combattants différents et le gros problème c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de techniques différentes. Bon, Ace n'est pas raté, il a pas mal de techniques différentes, je vais vous en montrer quelques-unes. On a carrément Cauchemar Luffy, enfin Nightmare Luffy, c'est plus la classe en anglais, qui... ils le disent d'ailleurs comme ça, je crois, Nightmare Luffy, je crois, même dans la version française. Si je dis pas de conneries. On va prendre Spandam, j'adore prendre Spandam. Mais... Et un petit coup de... Des anciens méchants pas beaux. Voilà. Voilà, l'île centrale, le... La dernière île, quoi, qu'on débloque en faisant les 4 îles, et en fait, c'est... C'est là où on peut faire notre mode survie comme je viens de vous montrer, ou notre mode, enfin, ou juste le boss final et finir le jeu quoi. Boss final un peu raté. D'ailleurs il y a des boss optionnels aussi qu'on peut débloquer qui sont, il y a un boss optionnel par monde, par île. Mais il y en a, bien sûr il y en a pas par contre dans la cinquième île, c'est que le boss final. Et donc bah dans le Donc il y a 4 boss optionnels en tout, comme dans le deuxième épisode aussi. Et les boss optionnels, bah voilà, c'est Cauchemar Luffy par exemple. Lui c'est un boss optionnel extrêmement hard à combattre, mais très très résistant. Mais franchement, c'est réellement... Vous combattez pendant 20 minutes, hein. Je vous jure. C'est même un peu exagéré quoi, parce que le combat après il devient répétitif vu qu'il y a déjà pas énormément de combos différents. Ouais, il a complètement rien compris, Arlong. Encore, alors Arlong ils l'ont bien réussi, je trouve qu'il a pas mal de techniques différentes encore. Il doit en avoir 5 ou un truc comme ça. Bon. Mais bon, vous voyez de suite quand même de base que ce jeu-là n'est pas fait pour le combat, il est surtout fait pour... Oui, il a complètement esquivé mon attaque. Surtout fait pour bah, juste l'aventure en fait. Hein. Aventure, action, un peu beat'em all, mais voilà. C'est quand même pas fait pour que du pur combat comme là on le fait, et ça se voit direct quand même parce que ça se répète, c'est ça le problème. Donc voilà, je peux faire des jets de flammes, c'est cool. Encore là j'ai pris un très bon perso, mais si je vous prends par exemple Don Krieg, par exemple il n'y a pas énormément de... Enfin si, encore Don Krieg ça peut aller. Non, c'est Whitepool par exemple. Ouais, Whitepool, bon. Cauchemar Luffy a pas mal de techniques différentes. Mais voilà, il y a vraiment des persos comme Chopper enragé, moi je m'attendais vraiment à un boss de fou. Mais il n'a que 3 techniques différentes, 3 pauvres techniques. Il a une technique où il attaque le sol, là on sait pas, il fait des espèces d'ondes de choc là en avançant. Et il a une technique où il donne juste un gros coup de papate dans la gueule, un gros coup de papate droite dans la gueule. Et il a une autre technique, bah, c'est un peu du même style, enfin... Il enferme ses deux papates sur l'ennemi, voilà. Il le prend, et il le balance. Et c'est tout. Voilà. Toutes les techniques de Chopper enragé. Là, vous pouvez voir, en fait, Luffy... Nightmare Luffy est assez spécial, car il a 3 techniques différentes avec... quand on secoue la Wiimote. Et ces techniques-là sont totalement aléatoires. C'est-à-dire que là, je fais l'arc. Je peux très bien refaire l'arc, voilà. Sans faire exprès. Là je vais faire quoi? Là voilà, j'allais faire les boules de feu. Là je vais faire ça. On peut se téléporter très facilement avec Nightmare Luffy, il est très rapide. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il est très puissant. Là, c'est le boss optionnel le plus puissant de toute façon. Il y a Baggy le Clown comme boss optionnel. Je suis assez impressionné d'ailleurs qu'il l'ait pris comme boss optionnel quand même. Et il est très puissant aussi.
Mais tous les boss optionnels sont très durs à battre. Hein, c'est... On est obligé de se faire avoir la première fois, quoi. Quand on connaît pas les techniques du perso, vu que c'est la première fois qu'on le voit. Là maintenant je les connais bien vu que j'ai un peu joué voilà dans le mode combat, dans le mode survie. C'est toujours sympa quand même de faire un mode survie avec par exemple Baggy le clown ou d'autres persos, c'est sûr. Mais à côté de ça, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de techniques différentes. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça le problème. Donc bah je pense que je vous ai tout dit. On va démarrer une nouvelle partie, je vais vous montrer la cutscene pour faire un petit résumé de l'histoire. Parce que j'ai un peu la flemme de résumer comme ça. De toute façon, vous allez le voir, vous allez admirer cette cutscene. Donc on se retrouve de suite. De suite après la cutscene, bien sûr. Et après ce temps de chargement infini. Bon. あれを見てください。巨大な竜巻の中に光るものが。お宝か。でもこれ以上は向かい風で進めねえ。うざっぱ。ごめん。よし、やってやるぜ。砲叩め。それじゃあトップシステムチャンネルゼロ。 システム起動。知的生命体の接触を確認。誰だお前。ちゃんとした言葉話せよ。視覚者の個体名を確認。モンキー D ルフィ。あなたはプレゼントを受け取りますか？はあ？何言ってんだお前。なんかくれるって言うならもらってやるけどよ。了解。プレゼントの受託を確認。視覚者の周辺情報をもとにデータの構築を開始します。 昔話に出てくる世界樹みたい。
あんな気ほっとけ。それよりルフィだ。ルフィはどこに消えた？溺れ死んだのかしら。逃げもねえこと言うんじゃねえ。ルフィの野生は俺なんかよりずっとすげえんだ。ルフィが死ぬなんてことあるわけ。そうですよ。あのルフィさんが死ぬもんですか。死んでるのは私だけで十分です。ほら、耳を澄ませばルフィさんの声が空から。空？まさか天国では。 島に急いで向かうぞ。 Voilà, je pense que je vais continuer un peu avec vous, mais pas grand chose parce qu'on est déjà à 1h04 de vidéo. Voilà, on va passer un peu ces cutscenes marrantes, mais voilà, vu qu'on a pas trop le temps. Donc vous avez vu un peu, c'était le résumé de l'histoire du jeu. C'est en fait, comme vous avez vu, il se confronte à une espèce de d'une espèce d'épreuve qu'ils doivent réaliser, c'est de parcourir 4 îles différentes en vainquant tous les ennemis d'anciens de tout simplement des épisodes qu'on connaît du manga, et normalement, bien sûr, sinon on est spoilé, bien sûr, tout simplement. Mais voilà, on rencontre tous les ennemis que je viens de vous montrer dans le mode duel. Voilà, donc les boss optionnels peuvent se débloquer aussi, genre le boss Baggy le clown. Je l'ai rencontré bien avant en temps normal, quand même, que en temps normal, parce que je l'ai combattu, je crois, juste après Moria, en fait. Bon, mes persos, ils étaient pas trop bien expérimentés, et donc ils avaient pas beaucoup d'attaques différentes, et donc voilà, on se retrouve quand même contre un boss optionnel. Même si c'est Baggy le clown, voilà, c'est quand même chaud. Ça reste quand même chaud. Donc voilà, on récupère quelques bouts de ferraille. Là, on est vraiment au début, donc j'ai que 2 attaques différentes. C'est vraiment ça le problème, et là, vous allez voir. Statue. Et voilà. Donc pour déverrouiller cette technique, par exemple, on fait C. Et voilà, on a toutes les techniques qu'on peut déverrouiller. Et aussi Chewing Power niveau 1, par exemple, ça c'est, je crois, pour avoir une meilleure puissance ou un truc du genre. Détermination niveau 1, ça c'est quoi? C'est pour avoir plus de PS, peut-être. Corps élastique niveau 1, ah oui, ça c'est pour pouvoir faire la chope. Parce que là, je l'ai pas encore, la chope. Restez appuyé sur A. Donc voilà, sinon, le niveau jouabilité, c'est sûr, c'est très bon. Pourtant, je joue quand même avec le combo Nunchuk télécommande Wii, qui est une hérésie, quand même, faut le dire. Mais ça se manie très bien. Ce qui est incroyable, d'ailleurs. Donc voilà, je crois qu'on va avancer un peu pour rencontrer après Gabri. Vous allez voir comment nos amis rencontrent Gabri. Cet étrange être qui est en fait... Bon, on va pas forcément sauvegarder. Cet étrange être qui
qui est en fait l'espèce de réincarnation de... comment dire, je crois que c'est un ami du méchant à la fin, quoi. Du méchant Pablo. Voilà la fin. Et c'est... Mais Gabri est devenu ami avec les Mugiwara par la suite quand même, en bravant tous les dangers. Et donc... et donc vu que vu qu'il commençait à être pote quand même avec les Mugiwara, il voulait pas les trahir. Et donc par la suite il les a protégés par une grosse attaque que l'autre a envoyée. Donc il a failli mourir, mais par la suite on le voit ressusciter dans une Unlimited Quiz 2. Il devient une espèce d'ange, on sait pas trop ce que c'est. Donc voilà. En gros c'est l'histoire vite faite, hein. Donc voilà, l'histoire est assez banale. Mais revoir nos chers Mugiwara, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, Mugiwara, ça veut dire juste chapeau de paille, quoi. Ça veut dire l'équipage au chapeau de paille, en français. Mais moi, je préfère dire Mugiwara, ça a plus de classe. Ça fait plus connaisseur. Bon, allez, on va descendre. Je crois qu'avec Brook, c'est plus rapide. Le chemin. Voilà, c'est vite fait, hein. C'est franchement pour vous montrer le début quand on rencontre Gabri, voilà, comment ça se passe. Attention, des ennemis boueux. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette créature? On dirait de la bouse. Laissez-le-moi, je vais tous les abattre à distance avec ma fronde. Attention. Ah, ils sont en spire plutôt. Et voilà. Par exemple, là, j'ai pas mal attaqué nos chers ennemis boueux, nos chers bouses. Et comme ça, j'ai débrouillé cette technique, voilà, cette espèce de petit combo. Et voilà, c'est vraiment vite fait, et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a très peu de coups différents. Voilà. Surtout, ce qui est alarmant, c'est Chopper. Chopper, mon dieu, il a qu'une attaque. Donc c'est très dur de l'évoluer au début. Alors, attention, Chopper. Chopper, il fait peur. Vous allez voir sa seule attaque. Hoya! Hoya! Vous avez même pas vu son attaque. Tellement que c'est rapide, tellement que c'est vif, tellement que c'est puissant, mais c'est incroyable. Enfin, petite cutscene. Les cutscenes sont toutes faites avec le moteur du jeu. Voilà. Sauf au tout début, je crois. Enfin, j'avais l'impression que c'était le moteur du jeu, mais avec l'anti-aliasing mis à fond, parce qu'il n'y avait pas d'aliasing. Alors que là, on en voit à fond de l'aliasing. Le problème de la Wii, bien sûr, hein, vu que la résolution est assez basse, hein, c'est du 480p. Mais moi, je vais vous mettre ça en 720p, puisque bon. C'est du 720p pour une capture, quoi. Ça rend plutôt bien. Presque aussi bien que le jeu original. Qu'est-ce qui ne va pas, Chopper? Mon bâton a disparu! Gab, et il a gobé le bâton. C'est mon bâton, un démon! Et je crois que le texte gravé sur ce monument parle de cette étrange créature. Ouais. On va passer un peu, c'est que, en gros, Robin lit comment ça s'appelle, ce truc là, et ça nous dit d'utiliser Gabri. De lui convertir des points, voilà, ça nous explique un peu en fait comment ça marche. Ouais, tout simplement, faut lui donner quelques herbes médicinales par-ci par-là, herbes amères ou je sais pas trop quoi. Lui donner quelques trucs, quoi. Il faut aller là-bas pour trouver quelques ennemis déjà à combattre. Cristal, ah, c'est ça qu'il fallait trouver aussi, en plus. Là, de la farine pour la nourriture. Vous avez vu aussi la magnifique animation de Chopper quand il court. Il devient quand même un vrai arène, attention. Bon, il a toujours son magnifique nez bleu qui le différencie à tous ses confrères.
mais bon. C'est quand même un renne, malgré tout. Qui est tout mimi. Et donc, bah, voilà. Surtout là, vous voyez que voilà, la noix de coco, il en raffole. Hein. Ça augmente beaucoup ses PG, voilà. PG bleu. Et grâce à ça, on peut activer et on peut ouvrir le passage. Et ça se passe toujours comme ça à chaque île. Souvent, bah, quand c'est juste avant de combattre un boss, on a ce genre de truc. Voilà. Même si là, c'est juste un espèce de didacticiel caché, on va dire. Et donc là, c'est vraiment le début. On nous montre comment ça marche, quoi. Et par la suite, c'est à chaque fois juste avant la porte d'un boss. Donc voilà, je vous montrer un peu la cutscene qui se passe là. Et, bon, je crois même qu'on va s'arrêter ici, hein, avec l'émerveillement de Chopper. Tiens, c'est tellement beau. La fée avec les petites étoiles. Content de voir que tu n'as rien à faire. Gab, j'ai envie de tout gober. Et voilà comment Luffy va devenir. Il va se rapprocher vers Gabri. Il va devenir un grand ami. Avec Gabri, son meilleur ami. C'est un peu gnagnant, hein. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, Luffy? Regardez, on m'a dit de lire ce parchemin. Seulement, je ne sais pas lire. Je suis illettré. Je suis analphabète, je veux dire. Je comprends bien, une voix étrange a proposé de se faire un don, c'est ça? Et on doit passer les épreuves sur 4 îles pour l'obtenir? Je ne sais pas, mais moi, je trouve cette histoire un peu louche. Ah, c'est donc ça? Je crois qu'on va bien s'amuser. Je me demande ce que ce cadeau peut bien être. J'ai la flemme de faire les voix. Un trésor, c'est forcément un trésor! Des épreuves! Ça tombe bien, j'avais justement besoin d'un peu d'exercice. Pour défoncer New York. Je suis curieuse de découvrir quel genre de civilisation existe sur cette île. Shinami et Robin sont partantes. Alors, vous pouvez compter sur moi à 100%. Enfin, une nouvelle aventure. Et toi, Londé, tu es partant ou pas? Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Brooke? Moi, je souhaiterais la décision des valeureux membres de ce noble équipage, bien sûr. Je vois, content de l'apprendre. C'est exactement la même chose pour moi. Et voilà comment. Voilà d'où vient toute la détermination de notre cher Long Pif. Notre cher Usopp, le grand, le vaillant. Le vaillant Usopp, comment il l'appelle déjà dans le manga? Pipo. Parce qu'il raconte plein de sottises, donc c'est un petit jeu de mots. Je sais pas pourquoi ils ont pas gardé les noms originaux du manga. Dans l'anime, il l'appelle Usopp. C'est comme pour Sanji, il s'appelle dans le manga Sandy. Et voilà. Sandy, ça fait un peu fille, donc Sanji, ça fait plus classe. Mais sinon, Pipo, ça aurait été pas mal. Il raconte des pipos. Ouais. On va dire quand même que c'est un peu... comment dire? On s'y attend un peu trop quand même à la blague. Mais voilà, sur ce, voilà, c'est un très très bon titre. Je vous ferai la vidéo test de One Piece Unlimited Quiz 2 juste après. Et vous aurez le droit aux deux vidéos découvertes que j'ai déjà faites. Je les mettrai en ligne juste après. One Piece Unlimited Quiz World Red, je crois que c'est. Ou non, il n'y a pas de quiz, c'est juste One Piece Unlimited World Red sur Wii U. Donc voilà, en définitive, très bon jeu de la Wii que je vous recommande, Quiz, qui est un mélange de d'action, plateforme, comme vous pouvez le voir, d'aventure épique, de combat le plus épique. Un peu répétitif quand même à la longue, mais c'est quand même épique. Et puis voilà, pour les fans bien sûr de la série comme moi,
vous y trouverez bien sûr votre bonheur. Et même pour ceux qui ne regardent pas One Piece, ça reste quand même un très très bon jeu. Voilà. À avoir sur Wii. Donc sur ce, à la revoyure pour de nouvelles aventures.